Grande des fiertés, c'est que t'es musulman. La plus grande des fiertés, c'est que t'es attaché à ton dîn. La plus grande des fiertés, c'est que t'es soumis à Allah. Nage à contre-courant et demande à Allah la force et l'énergie. Et t'inquiète pas, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera cette force. Et bien, venez là, il t'accordera une bonne fréquentation qui va te soutenir, qui va te soulager. Donc attention à la fréquentation. Beaucoup de parents, ils nous appellent, ils nous disent: mon fils, ma fille, je comprends plus, je sais plus ce qui se passe. La plupart de ces problèmes-là, ils viennent de quoi? La mauvaise fréquentation. Un manque de surveillance et de vigilance de la part des parents. Je lui fais trop confiance. Résultat des comptes, voilà, on ramasse les pots cassés derrière. Ils sont hors contrôle à 15-16 ans. Pourquoi? Il y a eu trop de liberté, trop, un excès de confiance. Soyez prudents, barakallahu fikoum, vous en tant que parents. Et vous, mes petits frères, mes petites sœurs, craignez Allah et pensez aux conséquences des péchés. Regarde, dans 10 ans, tu te vois où? En continuant dans ce haram, tu te vois où dans 10 ans? Il est possible qu'en continuant sur ce chemin, tu finisses au habs, en prison. Il est possible qu'en finissant sur ce chemin, tu te retrouves avec un casier judiciaire. Comme je parlais avec quelqu'un il y a une semaine, il m'a dit: avec mon casier judiciaire aujourd'hui, j'ai du mal à trouver du travail. Je me suis repenti, mais j'ai du mal. Pense aux conséquences plus tard.